Après avoir tracé un diagramme du type de celui-ci, par exemple, avec le programme qui est présenté là à l'écran, bien, nous voudrons souvent pouvoir exporter le diagramme en question vers un rapport de laboratoire ou un texte quelconque. Alors pour cela, nous allons enregistrer le document, enregistrer l'image qui a été produite par Matplotlib. Et ici, je vais l'enregistrer sous deux formats différents pour vous montrer la différence. Je vais commencer par accepter le format .png, le format habituel pour les images de type diagramme, par exemple, et je vais l'appeler MRUA. Voilà. Mais je vais aussi l'enregistrer dans un deuxième format. Et cette fois, je vais choisir parmi les formats possibles, non pas le format par défaut, mais un format vectoriel. Alors, plusieurs formats vectoriels sont proposés, entre autres le format SVG, que je vais choisir. Cette fois-ci, je vais enregistrer l'image, donc toujours sous le nom MRUA, mais avec l'extension SVG. J'enregistre. Voilà qui est fait. Et je peux maintenant me diriger vers la page de mon rapport de laboratoire où je vais intégrer les images. Pour la démonstration, ici, je vais simplement intégrer les deux images dans cette page que j'ai défini au format A3 paysage pour avoir beaucoup de surface. Je vais donc insérer mon image PNG pour commencer. PNG. Voilà, je la déplace un peu et je l'agrandis sans dépasser les marges. Voilà mon image. Je vais maintenant intégrer l'image SVG, qui est celle-là. Vous voyez qu'elle est un petit peu plus lourde, mais à peine. Et je vais aussi l'étendre un peu, sans déborder sur les marges, et en essayant d'avoir plus ou moins la même taille que l'image précédente. Voilà, je dois y être environ. Bien, maintenant, je vais vous proposer de regarder la première image en zoomant très fort. Voilà la première image sur laquelle j'ai zoomé très fort. Et vous voyez sans doute, si la qualité de la vidéo est suffisante, que les textes sont légèrement flous. Si je passe maintenant à l'image SVG, vous remarquez que tous les textes sont parfaitement nets, donc malgré le grand agrandissement. C'est bien sûr l'avantage du format vectoriel. Il n'y a pas de perte lorsqu'on agrandit ou lorsqu'on diminue la taille d'une image.